Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, je fais très rarement, jamais, de vidéos en direct. Et là, je suis obligée parce qu'en fait, ça y est, ça a commencé. Je viens de me réveiller, je suis allée sur mes mails et ça y est, j'ai vu que l'éducation nationale me rappelle à l'ordre avec tous les bureaux qu'il faut rappeler. Là, je ne sais plus quel bureau a été informé, comme quoi je ne mets pas mon masque à l'école. Donc en fait, je rappelle le contexte, je suis en toute petite, petite, moyenne section. Ça veut dire que j'ai des enfants de 2 ans et de 3 ans qui n'ont jamais quitté leur mère de leur vie. Et on me demande d'être un Golgoth. Mais en fait, j'étais en larmes. Le dimanche soir, avant la rentrée, j'ai pleuré tout lundi. J'ai pleuré mardi, j'avais mon masque parce que mes élèves, ils étaient avec leurs parents dans l'école. Je crois que j'ai pleuré mercredi encore et mercredi soir, j'ai décidé que je ne mettrais pas mon masque devant mes enfants, mes élèves, parce que je voulais pas être un Golgoth devant eux. Et depuis mercredi, je me sens en paix en fait. J'avais le choix en fait, je voulais m'arrêter, prendre toutes mes affaires et ne plus revenir à l'éducation nationale. Mais en fait non, parce que cette école, ça fait 2 ans qu'elle vit des années un peu compliquées. Et en fait, moi, pendant le confinement, je devais partir, je devais être remplaçante. Donc avoir moins de travail et gagner 600 euros en plus. Et en fait, j'ai fait le choix de rester dans cette école pour les familles, pour les enfants, pour l'équipe, parce que je voulais faire le lien pour que les familles aient une année un peu tranquille, quoi. Et après, il y a eu ce port du masque obligatoire. Et maintenant, je peux pas le mettre, le masque. C'est pas que je veux pas. J'aimerais bien être un fonctionnaire comme tout le monde qui fonctionne. Mais je peux pas, vous comprenez? C'est des enfants de 2 ans, de 3 ans qui quittent pour la première fois leur mère. Et on leur dit, voilà ce que vous avez devant vous, vous, c'est un Golgoth masqué. Donc là, bien sûr, je suis un peu triste. Parce que ça y est, ma directrice, je lui ai dit. Elle est jeune, elle a pris la direction alors que normalement ça aurait dû être moi. Et bien sûr, l'éducation nationale ne veut pas de moi en tant que directeur. C'est une très très bonne idée, de toute façon, je ne veux pas l'être. Mais elle est jeune et elle dit, mais il faut que je te dénonce. Et je dis, mais oui, dénonce-moi, quoi. Toi, t'arrives à l'éducation nationale, donc vas-y, dis-le. Et je te le dis, t'as ma bénédiction, quoi. Il faut que tu le dises à l'inspectrice. Je ne mettrai pas mon masque, quoi. Est-ce que tu veux pas mettre un masque transparent? Je sais, mais c'est pareil, on est des Golgoths, on est des déshumanisés avec un masque. Voilà. Alors, je vois là, vous me regardez, vous êtes plusieurs déjà. J'ai une sorte de. Aujourd'hui, je vais appeler mon syndicat, je vais voir si je suis la seule. Donc, forcément, je ne pense pas que je sois la seule à faire ce choix. Parce que j'ai plein d'instits qui font ce choix, mais en fait. Elle l'enlève dans leur classe en fait, derrière l'institution. Sauf que moi, c'est le matin, quand ils séparent de leurs parents, c'est le matin qu'ils pleurent, quoi. C'est le matin, après ça va, mais c'est le matin qu'ils pleurent. Donc je peux pas garder mon masque au moment où ils quittent leurs parents et qu'ils sont en train de pleurer. Donc voilà. Le truc, c'est que moi, ça fait 2 ans que je me bats contre l'éducation nationale. Et en fait, l'éducation nationale est maltraitante. C'est-à-dire que moi, l'éducation nationale, j'ai les preuves maintenant, hein. J'ai tout ce qu'il faut, donc je vais faire ce que j'ai à faire. Mais l'éducation nationale s'acharne contre ses agents. Et moi, ça fait 2 ans que je me bats. Même pas que je me bats, j'ai rien à faire puisqu'ils sont. Moi, je suis clean et en paix. C'est pas compliqué. Donc l'éducation nationale, elle a voulu me faire du mal, sauf Elle n'a pas réussi parce que bah, je suis clean et en paix, donc je fais ce que j'ai à faire. Et elle a refermé son piège sur elle-même. Elle a refermé son piège sur elle-même. Donc maintenant, j'ai toutes les preuves qui font que l'éducation nationale s'est acharnée contre moi. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire.
Ok. Et là, je vais encore faire ce que j'ai à faire, savoir ne pas mettre mon masque, voir ce qui se passe, voir mon syndicat. Ce que je sais, c'est que c'est fatigant. C'est, comment dire, c'est un peu épuisant, même, c'est un peu quand même dur, quoi, de se battre contre une institution. Il faut bien comprendre qu'on est des petits agents de rien du tout, quoi. On est des agents de rien du tout. Et la machine, elle nous broie. Vous comprenez, elle nous broie. Il y a des instits régulièrement, des profs régulièrement qui se suicident parce qu'ils se font broyer par l'éducation nationale. Alors en fait, si je fais cette vidéo ce matin, c'est parce que ça fait 20 ans que je suis sur cette école. Alors mes élèves, s'il vous plaît, mes anciens élèves, mes anciens parents d'élèves, je ne sais pas ce que va me faire l'éducation nationale, mais ce que je sais, c'est que je vais avoir besoin de vous. S'il vous plaît, partagez ma vidéo à mes anciens élèves. Donc là, je sais qu'il y a Lénie qui regarde régulièrement, il y a Abigail qui regarde régulièrement, voilà, il y a Christelle. Enfin voilà, je vois qu'il y a plein d'anciens élèves qui sont là, qui regardent mes partages quand je mets des trucs sur l'école. Voilà, et ce que je vous demande, c'est de juste informer mes anciens élèves, vos copains de classe, que peut-être, je dis bien peut-être, je vais avoir besoin de votre soutien. Je vais avoir besoin de beaucoup de monde derrière moi. Parce que je suis pas sûre en fait d'y arriver toute seule. Je suis forte, hein, vous le savez, moi je gère, hein. Il n'y a pas de problème, je gère, mais là c'est. J'en ai marre de me faire broyer par l'éducation nationale. C'est fatigant. Voilà, donc je vais respirer. Je vais aborder mon beau sourire et ma belle détermination avec mes élèves, avec les familles. Et j'espère que je suis pas la seule. Je vais appeler, hein, je suis à Sud Éducation, donc je vais t'appeler, Elodie. Je vais appeler, j'imagine bien que je suis pas toute seule, quoi. Donc je vais voir combien on est, on va se compter. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, si j'ai un message à faire à mon inspectrice, qui est Madame Orlando, Catherine Orlando de Marseille-Lestac, bah voilà, c'est normal, hein, que vous fassiez appliquer la loi. Il n'y a pas de problème, hein. Je suis un fonctionnaire, je suis censée fonctionner. Sauf que on peut pas me faire fonctionner sur ce point-là, en fait. C'est des enfants de 2 ans et de 3 ans qui quittent pour la première fois leurs parents. Et d'avoir un robot et un humain devant eux, enfin pas un humain justement, un Golgot, moi comme je dis, excusez-moi, hein, l'éducation nationale, c'est juste inhumain. Alors Madame Orlando, je sais même pas si ça va revenir jusqu'à vous, en fait ça m'est égal. Je sais très bien que vous êtes bienveillante et je sais très bien que vous êtes une chouette inspectrice. Et franchement, en tant qu'être humain, je sais que vous êtes une femme chouette, quoi. Il y a tout le monde qui le dit. Donc voilà, ma directrice, elle est chouette. Elle est vraiment très chouette. Donc je lui en veux pas du tout. C'est moi qui lui ai dit, vas-y, dis-le. Il faut que tu le dises. Couvre-toi, quoi. Couvre. Elle a hésité, j'ai dit non, il faut que tu le dises, quoi. Et donc mon inspectrice, c'est pareil, elle fait son travail, tout le monde fait son travail. Et moi, bah, je suis comme souvent, hein, un grain de sable dans les engrenages. Je sais que je vais pas être la seule, donc je vais voir aujourd'hui ce que me dit mon syndicat, combien on est, est-ce qu'on se met ensemble. Et moi, je dis, voilà quoi. Merci. J'arrive pas à lire vos messages et à parler en même temps. Donc merci à tous vos messages de soutien. Voilà, j'ai posé ça.
il va falloir que j'aille au travail. Donc avant, je vais pleurer un petit bon coup, hein, parce que moi, j'ai besoin de pleurer quand... Donc je vais arrêter la vidéo. Je vais pleurer un bon coup en allant prendre ma douche pour pouvoir présenter un beau sourire et ma tranquillité, ma sérénité à mes élèves, aux parents. Parce qu'en fait, même si je suis pas un fonctionnaire qui fonctionne, moi je suis au service de l'État. Hein. Je suis toujours au service de la France, moi. C'est ma mission. Au service de la France, au service du monde. C'est ce pourquoi je suis sur Terre, en fait. C'est ma mission, c'est comme ça. Alors, c'est pas facile tous les jours. Non, c'est pas facile tous les jours. Là, ce matin, par exemple, c'est pas facile du tout. Voilà. Je vais travailler. Je vais prendre une douche. Et je vais pleurer un bon coup. Je vous embrasse. Et ben, j'espère pas bientôt, quoi. Mais bon, je pense que si, ça va être à bientôt, je vais être obligée. Je vous embrasse. Bonne journée.